Le concept du marché de Noël, tout comme à la première édition, on le souhaitait authentique, gourmand et festif. Alors, on a gardé notre vocation. On a la chance d'avoir le plus beau marché public au Québec. Alors, on a voulu préserver cet engouement-là, d'acheter des produits, de consommer local et d'encourager les producteurs locaux, les producteurs de la MRC des Mascoutins. Avec leur offre de produits. Alors, on a gardé cette saveur-là. Bien, le marché de Noël, c'est vraiment une occasion unique là, d'avoir une vitrine en plein beau centre-ville ici. Le fait d'amener chacun sa petite spécialité, ça permet d'avoir un bon panier d'offres diversifié pour les gens. Tu vois, tous les kiosques ici sont aménagés tout le tour du marché public, en plus des commerces réguliers au centre. Donc, vraiment. Moi, pour l'occasion, j'ai fait des petits formats de mes sacs d'ail, parce que normalement, je fais des kilos d'ail, ce qui correspondrait à 5 fois un format comme ça. Mais je savais ici que les gens seraient plus preneurs pour des plus petits formats, pour faire des cadeaux, parce que les gens sont pas en mode épicerie nécessairement, ils sont en mode découverte. Donc, oui, vraiment, puis édition 2021, merci beaucoup. Les ventes sont au rendez-vous, je suis très satisfait. Ferme Equinox, on est une ferme de bleuets, asperges et sirop d'érable. On est ici au marché de Noël cette année. C'est une belle expérience. Ça vend beaucoup. Alors, j'ai des tourtières à boulettes, bûches glacées à l'érable, lasagne, pâté au poulet, beaucoup de choses, des côtes levées à l'érable. Plein de choses, plein de bonnes choses. Alors, je vous invite à venir faire un petit tour demain, c'est notre dernière journée. Sinon, on est à la boutique, à la ferme, 22, 23, 24 décembre jusqu'à 16h. Joyeuses fêtes! Bien, le marché de Noël, pour nous, c'est beaucoup de visibilité, en plus des ventes, parce que oui, ça amène des ventes, ça fait connaître nos produits, nos vins, mais aussi les gens s'aperçoivent qu'il y a un vignoble à Saint-Simon, on est à 15 km d'ici. Donc, pour les gens de Saint-Hyacinthe, c'est à portée de main l'été, des petites balades à vélo ou en auto, puis ils sont rendus en orientant. Fait que c'est de faire connaître notre entreprise. C'est le but d'être ici pendant 3 jours. Ça fonctionne très bien. On fait déguster nos vins et tout ça. Les gens aiment le produit. En tout cas, la réponse est très bonne. Fait que pour nous, c'est beaucoup cet avantage-là. Puis bien entendu, à la fin de tout ça, je suis sûr que le bilan va être très positif là, au niveau des ventes. Fait que pour nous, c'est un bel avantage d'avoir ça dans la région. Il y a aussi de côtoyer d'autres exposants puis d'autres transformateurs comme nous. Fait que c'est intéressant de voir un peu comment tout le monde fonctionne puis tout le monde a ses façons de faire. Fait que aussi de ça, on apprend, puis on échange, puis on développe des contacts aussi. Ça, c'est intéressant. Ce qui est vraiment le fun, c'est que ça amène beaucoup de gens à découvrir la compagnie. Même si on est à 15 minutes de Saint-Hyacinthe, on vient de Saint-Pie, bien, il y a beaucoup de personnes qui savent pas, qui connaissent pas la compagnie du Canard du Village. Donc, ça amène du monde. Ils vont pouvoir venir visiter la ferme, puis voir nos produits directement où ils sont créés. Ils vont aussi pouvoir voir les canards, comment on les élève, tout ça. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, ça amène beaucoup de public pour notre compagnie, c'est vraiment le fun. Le plus vendeur ici, c'est le pâté canard juste ici. Il est super bon. Le monde aime beaucoup ça dans le temps des fêtes. Là. C'est très réconfortant comme pâté. Il y a carottes, patates, oignons à l'intérieur. C'est un peu comme une petite tourtière, mais juste avec du canard. Donc les gens, ils aiment beaucoup ça. Souvent, quand le monde travaille dehors, ils vont aller, tu sais, pelleter, là, ils vont mettre ça dans le four pendant ce temps-là, venir le manger, puis ils vont être tous réchauffés par le bon pâté. En fait, nous, on était à Saint-Pie, donc le marché Noël nous apporte vraiment une plus grande visibilité, si on veut. Puis on a commencé tranquillement à vendre des beignes dans les commerces de Saint-Hyacinthe. Puis là, j'en ai un ici tout près, fait que ça me permet de dire à mes clients qu'ils peuvent acheter des beignes là. Puis on est vraiment une petite entreprise familiale qui a commencé à Saint-Pie. Mais en fait, on a commencé à Montréal, puis on s'est développé beaucoup plus à Saint-Pie. Puis on trouve les gens d'ici beaucoup plus chaleureux, si on veut, sont... Tout le monde est comme plus rapproché qu'à Montréal. Puis en achetant la boulangerie de Saint-Pie, c'est ce qu'on voulait. Là, c'est comme un peu. C'est une boulangerie qui était fermée depuis 7 ans. C'était de la relancer,
de redonner du pain aux gens, des fèves aux lard chaudes le dimanche. Puis en venant ici aujourd'hui, ça nous permet vraiment de montrer qu'on existe. Ça nous permet de montrer aux gens qu'on est là. Puis que, tu sais, des fois, juste une petite affaire peut vraiment faire la différence. Là. On fait des beignes aux patates, on fait plein de choses. Puis tout est fait maison, tout est fait par notre famille. Les propriétaires, c'est moi et mon père, mais il y a mes petites soeurs qui travaillent avec moi. Il y a ma copine, il y a mon père, il y a ma mère. T'sais, on est vraiment toute la famille impliquée là-dedans. On met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour que ça fonctionne. Là. Donc, c'est pour ça, en venant ici, c'est vraiment de montrer qu'on existe. Que les gens puissent venir nous encourager encore plus. Ça, c'est de se faire connaître, puis de faire découvrir notre produit, la crème d'ail noir, faire déguster. Parce que c'est pas tout le monde qui connaisse l'ail noir, donc c'est une bonne façon pour nous d'approcher les gens pour faire une dégustation. L'ail noir, c'est de l'ail blanc qui a subi un processus de vieillissement. C'est une cuisson très lente, basse température. Et c'est les sucres naturels de l'ail blanc qui se caramélisent pour en changer les notes, la texture, les parfums, les arômes. Alors, on obtient l'ail noir qui a un goût plus de balsamique, fruits compotés, soya. Et c'est le condiment idéal pour accompagner les planches de fromage ainsi que les terrines. En fait, le marché de Noël nous amène une belle visibilité. Donc, les gens viennent découvrir les différents producteurs. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens connaissent nos produits puis qu'ils connaissent notre existence puis qu'ils viennent nous revoir à Saint-Dominique, à notre boutique. Bien, aujourd'hui, on a amené évidemment toutes nos variétés de miel, nos produits dérivés qu'on fait avec la cire d'abeille, nos bonbons au miel, les différents produits transformés avec notre miel, soit une moutarde, un caramel, des savons. Donc, on a une grande variété de produits ici aujourd'hui, mais on les a également à notre boutique là, à Saint-Dominique. Bien, le marché de Noël, c'est une très belle vitrine pour mon produit. J'ai le gâteau que je baptise le François, qui est un gâteau aux fruits retravaillés. Abricots, canneberges, dattes, raisins qui a trempé dans l'alcool, avec des noix de Grenoble, avec des tranches d'orange confites maison. Un gâteau qui est badigeonné pendant 3 jours pour y donner un bon goût. Ce que ça m'apporte, le marché ici, bien, c'est une belle vitrine. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir le marché de Noël de Saint-Hyacinthe. Une belle organisation qui permet d'avoir de l'achalandage. Beaucoup de gens qui nous connaissent déjà, beaucoup de gens qui viennent nous découvrir aussi, qui passent ici par hasard parce qu'ils en ont entendu parler. Donc, c'est une très belle vitrine pour le commerce, ça aide vraiment beaucoup. Bien, le marché de Noël nous apporte une grande visibilité et en même temps, pour pouvoir faire connaître nos produits à un maximum de personnes qui viennent au marché de Noël à Saint-Hyacinthe. Ça a des répercussions sur l'année au complet. Les gens viennent visiter aussi en même temps le vignoble quand ils le connaissent par le marché de Noël. Donc, cette fin de semaine, nous vendons 2 blancs. Le blanc d'Élie, la Chardonnay, le Justino blanc qui est fait à base de Frontenac gris et de Saint-Pépin. Nous vendons aussi le rosé qui est fait à base de Frontenac gris, de Maréchal Foch et de Deschenac. Et nous avons 2 rouges, soit le Justino rouge ou le Cuvée Confesseur qui est fait à base de Frontenac noir et Sabrevois. Et nous avons un vin de glace et un fortifié. Mes produits, c'est des produits de chevreau. On fait des découpes de viande, des saucisses ainsi que des terrines. On a développé des terrines de chevreaux qu'on va vendre en petites verrines. Le marché de Noël va apporter de la visibilité, surtout au niveau de qu'est-ce qu'est la viande de chevreaux, parce que les gens connaissent pas ça. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver à l'épicerie ni au marché public, mettons. C'est plus vraiment dans les marchés de Noël ou des petites exposures comme ça. Là. Les gens vont venir en chercher surtout à la ferme. Là. Bien, moi, ça m'offre une visibilité régionale ici. Je présente mes produits à toutes les personnes là, qui viennent nous voir au marché. Ils peuvent même déguster mes produits. Donc, c'est le meilleur moyen de... On peut goûter avant d'acheter. C'est ce qui est intéressant surtout. Puis, mes produits, c'est tous des produits à base de piment fort. Donc, je cultive les piments forts, moi, à Saint-Dominique, là, sur ma terre. Et je les transforme. Donc... J'ai mes petits mélanges d'épices, j'ai ma sauce steak et barbecue, puis j'ai aussi mes sauces piquantes. Donc, j'ai plusieurs variétés de saveurs, si on peut dire. Donc, j'en ai une à base de pêche et ananas, c'est une sauce de style sriracha, j'ai une sauce au cornichon à la nette, j'ai une sauce louisianaise, donc une bonne sauce un petit peu vinaigrée, c'est le fun, là, pour faire des ailes piquantes, des choses comme ça. J'ai une sauce un style péri-péri, j'ai une sauce fumée, j'ai une sauce piquante à base de moutarde jaune, j'ai une sauce avec des piments fantômes,
donc le gare aux fantômes, donc le ghost pepper, on le met en évidence dans cette sauce. J'ai ma déraillée, qui est une sauce crémeuse avec un petit délai de 5 à 7 secondes avant qu'on déraille, donc c'est très puissant. Et j'ai ma chaude boucan extrême, qui est une copie de ma chaude boucan normale, mais avec des piments beaucoup plus forts. Et ma dernière ici, j'ai ma grande faucheuse, une sauce qui utilise le piment le plus fort au monde, donc le Carolina Reaper. Donc voilà ce que je vais offrir ici. Ici au marché, on a des produits de dinde, rôtisson de dinde farcie aux petits fruits, poitrine de dinde nature, filon de dinde confit, rôtisson de dinde nature aussi. Puis normalement, j'avais dinde entière aussi, puis poulet entier. Mais pour l'instant, il nous reste que ça, en durant la fin de journée, mais ça va revenir demain. Les ventes sont très bonnes, puis les gens sont très contents de savoir qu'ils achètent des produits de qualité aussi, volailles de grains. Fait qu'ils sont bien contents. Qu'est-ce que ça amène de plus d'être ici au marché de Noël? C'est sûr que ça nous amène une belle visibilité dans le fond. Puis aussi, on conscientise les gens beaucoup à acheter local. Je pense que les gens avec la pandémie ont été conscientisés beaucoup aussi à acheter local. Là. Fait que c'est très content. Puis tant mieux, Colline, parce que c'est des bons produits à faire découvrir. Nous sommes producteurs de fraises. Nous faisons des produits gourmets à partir de nos fraises transformées, c'est-à-dire le caramel aux fraises, c'est pas bon, c'est cochon. La vinaigrette aux fraises et herbes de Provence, suivie des beurres de fraises à l'ancienne, beurre de fraises, rhubarbe et fraises-pommes. Depuis quelques années, nous faisons aussi le confit d'oignons fraises-rhubarbe. À la ferme, nous offrons aussi l'autocueillette. Le marché de Saint-Hyacinthe pour le marché de Noël est super excellent. Ça nous permet la chance, ça nous donne la chance de pouvoir parler avec nos clients, démontrer nos produits, les faire goûter et d'interagir avec eux. Ben, ce que ça nous apporte le marché de Noël, en fait, là, c'est d'avoir une expérience avec les gens. Beaucoup de visibilité pour notre boutique à la ferme. Nous, on est producteurs, on est vraiment chevronnés. Puis on aime voir les résultats que ça donne. Les gens ils ont vraiment eu l'air d'aimer ça, les dégustations aujourd'hui, dégustations de saucisses. Principalement, nous, on vend des produits de veau de grain. On vend également des produits de bœuf qui est 100% nourri à l'herbe. On a des produits de canard, produits de poulet de grain, œufs de poule en liberté. Puis on a des conserves qui viennent directement de notre jardin, la partie maraîchère de la ferme. Mais une marché de Noël est fantastique pour nous, les producteurs, on peut dire, de la région. On est sollicité par des gens qui connaissent un peu en moyenne notre produit. C'est des gens locaux, ça fait plaisir de présenter nos produits à ces gens-là. Je vous dirais que c'est un petit marché qui est fantastique. Si je compare avec les marchés qu'on fait à l'extérieur, même dans la région de Montréal, fait que je vous dirais que c'est un beau privilège qu'on a eu de pouvoir participer à ce marché-là. Nous, ce qu'on fait, Brix, c'est un petit produit à la pâte de noix. C'est un produit qui est fait à base de noix de Grenoble et de pacane, avec un petit peu de lait, un petit peu de sucre de canne bio. Et ensuite, on enrobe ça dans 18 saveurs différentes qu'on emballe dans différents paquets. Produit qui est magnifique avec des petites liqueurs comme Porto, vin de glace ou tout simplement avec des fromages. Moi, personnellement aussi, je peux les consommer directement sortis du congélo. Et c'est un produit qui se garde au-delà d'un an dans le congélo. Mais c'est aussi bon si vous le sortez du congélo ou vous le mettez sur la table quelques minutes si vous l'aimez température pièce. Sur ce, je vous souhaite bonne visite du marché de Noël. Et puis, en espérant vous croiser ce week-end. Et puis, je vous souhaite, au nom de la Chambre de commerce et de tous nos partenaires, je vous souhaite de très, très joyeuses fêtes. Des fêtes, ça se passe chez nous. Chaque jour jusqu'au 2 janvier sur Nous TV.